Joël Loers, et j'ai fait la mise en scène du spectacle. En quelques mots, vous pouvez me raconter un petit peu ce spectacle ? Quelques mots, c'est difficile, vaut mieux le voir, mais c'est une comédie, donc on essaie d'en faire ressortir l'humour et surtout faire ressortir toute l'invention de la musique. Et du coup, moi, j'ai voulu le déplacer un peu dans un contexte un peu plus dramatique que comique. Et disons que j'invite tout le monde à voir le parrain numéro 4, plus dans un monde mafieux. Et ça me permet de faire en contrepoint, ressortir beaucoup l'humour de la partition et l'invention de la partition. On est plutôt dans un décor unique où nous sommes à l'extérieur et puis à l'intérieur. C'est la maison de Bartolo, en fait, qui est il a plutôt réquisitionné un petit hôtel. On est un peu dans le monde d'Al Capone avec une mafia un peu, je dirais, plutôt gentille et provinciale. Et les décors de Poppy Ranchetti se prêtent fort un peu à cette comédie qu'on a traitée de manière assez graphique, un peu avec beaucoup de références de cinéma et même de bande dessinée, disons pour de nouveau mettre un cadre et faire ressortir tout le génie de Rossini. Chez moi, c'est largement dans les années 30 à 50-60. Donc oui, ça se situe... c'est vintage, disons. C'est notre monde à nous, mais vintage. Là, on doit avoir nous avons 6 solistes, des figurants, une douzaine de choristes. Ça fait une vingtaine de caractères à mettre en scène. Oh!
si on devait dire un mot, qu'est-ce qui fait que les gens doivent absolument ne pas manquer ce spectacle ? La bonne humeur, l'humour, une bonne soirée, beaucoup de surprises, et puis des artistes qui se donnent à fond, qui ont énormément travaillé, parce que c'est très fouillé comme travail, et dont une très très bonne soirée de bonne humeur, je dirais, de comédie. Plus l'orchestre qui est... Alors, avec Caspar, on a fait un travail, on a beaucoup travaillé ensemble, disons, pour que lui voit mon travail, je vois le sien, et du coup, c'est vraiment la Bible, c'est la partition. Donc on essaye d'en faire ressortir tous les plus petits détails, l'orchestration qui est beaucoup plus particulière qu'on ne croit, tellement l'œuvre est connue. Il y a des moments où moi j'aime bien déplacer un peu l'action pour que les gens écoutent de nouveau, pour qu'ils ne se laissent pas simplement aller à se dire on connaît l'œuvre. Non, là il y a énormément de détails qu'on essaye de faire ressortir et qui sortent également dans l'orchestre qui est brillant. Cette pièce, c'est la première fois qu'elle est jouée. Dans cette mise en scène, je l'ai créée il y a plusieurs mois en Suisse, mais dans un théâtre différent, avec toute une distribution différente. Donc ici, c'était de nouveau comme une création. Ouais. Ça va tourner ? Dans l'immédiat, rien n'est prévu, mais beaucoup de gens sont intéressés, donc on espère que ça puisse continuer à vivre. Alors, sur quoi vous travaillez ? Maintenant sur des projets futurs, mais que je tiens discret pour le moment. Mais j'ai des demandes et même j'aime bien travailler en comédie musicale aussi, donc ça va venir. Pas nécessairement dans ce type musical. Non, pas toujours. La mise en scène, c'est un peu pour n'importe quel répertoire, donc chaque œuvre est différente, chaque œuvre est nouvelle.